Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, nous allons voir comment installer AdBlock Plus, donc notre bloqueur de publicité, sur Firefox. Pour cela, je vous laisse ouvrir votre navigateur internet Firefox. Mon navigateur est ouvert. Je suis sur la page d'accueil, donc à savoir Google pour ma part, et je vais pouvoir rechercher AdBlock Plus. Je valide en appuyant sur la touche Entrée de mon clavier. Je vérifie l'adresse URL, donc adblockplus.org étant bien le site officiel, je vais pouvoir cliquer sur ce lien. Comme dans la vidéo que nous avons pu voir sur l'installation pour Chrome, vous arrivez sur le site officiel d'AdBlock Plus et il a réussi à déterminer votre navigateur internet. Il vous propose donc d'obtenir AdBlock Plus pour Firefox. Il vous suffit de cliquer sur ce gros bouton vert. Une nouvelle page s'est ouverte. Vous trouvez ici la présentation d'AdBlock Plus et le bouton bleu « Ajouter à Firefox ». Vous pouvez cliquer dessus. Cette fenêtre apparaît en haut de votre écran. Elle vous demande si vous souhaitez ajouter ce bouton. Je clique donc sur « Ajouter ». Vous avez un nouvel onglet qui s'ouvre qui vous indique que l'installation est réussie et vous avez en haut à droite le petit stop ABP ainsi que cette fenêtre qui vous indique que AdBlock Plus a bien été installé. Si vous le souhaitez, vous pouvez même autoriser cette extension lorsque vous utilisez la navigation privée. Donc je vais cocher cette case et lui indiquer « J'ai compris ». Une fois l'installation d'AdBlock Plus faite, il va falloir que vous alliez le paramétrer. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit stop tout en haut à droite, de cliquer ensuite sur la petite roue crantée et vous avez la fenêtre de réglage. Comme pour Chrome, c'est exactement les mêmes réglages, donc on va bloquer le traçage supplémentaire qui vont permettre de bloquer tout ce qui est cookies tierces, de bloquer le tracking par les icônes des réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. Et je vais décocher « Autoriser les publicités acceptables ». Il me demande si je veux accéder à l'enquête. Je vais donc cliquer sur « Non merci ». Si je ne décoche pas « Autoriser les publicités acceptables », j'ai toujours quelques publicités qui risquent de s'afficher sur les pages internet que je vais visiter. Alors, je vais me rendre sur le site du Monde. Si je clique sur un article, mon article s'est affiché. Donc, je remarque que je n'ai aucune publicité. Sur le petit stop en haut à droite, j'ai 33 qui signifie qu'il y a 33 éléments qui ont été bloqués. Si je suis sur un site internet qui refuse le blocage des publicités, j'ai un message qui va apparaître vous demandant de débloquer
de désactiver, pardon, votre bloqueur de publicité. Dans ce cas-là, je clique sur le petit stop et je vais cliquer sur le bouton bleu pour désactiver le bloqueur de pub. Il vous suffira d'actualiser la page. Ma page est de nouveau affichée et là vous remarquez que vous avez retrouvé des publicités et les boutons notamment des réseaux sociaux. Nous en avons terminé pour AdBlock Plus sur Firefox. Dans le prochain tuto, nous verrons comment le mettre sur Edge et vous verrez qu'il va y avoir une particularité. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous et restez chez vous. Et je vous dis à très bientôt.